Alors là, on est samedi, j'ai le temps, il n'y a pas de prise de tête avec les uns et les autres, c'est un jour férié, j'ai pas à travailler, puisque moi je m'impose à travailler samedi pour appeler les gens que j'ai pas eu en semaine. En tout cas, plein de choses, hein, c'est des produits finis, maison, hygiène maison, etc. Bon, vous savez très bien que hygiène beauté et hygiène et beauté, c'est le premier du mois. Voilà. Bon, en tout cas, plein de choses. Moi, ouais, c'est pas mal rempli parce que je ne m'aperçois pas. C'est que des produits. Nos actions Max Plus. Peut-être ça. Je l'ai acheté à Leclerc. Je ne suis pas sûre. Bon, une bougie. Une bougie citronnelle. Il faudrait que j'en rachète. Après. Waxos, j'avais commencé à. Mais comme elle traînait. Ça faisait un peu trop longtemps qu'elle traînait dans la cuisine. Enfin, dans la cuisine. Dans le frigo, j'ai préféré, mais c'était pas mauvais avec. J'avais fait ça avec du riz blanc, avec un rice cooker Red is Dead, et puis des rouges. Mon rice cooker est mort. Ma salade repas achetée à Max Plus 1,60. Alors, chez nous, c'était 0,69. Je pense que je reprends. Ma salade repas provençale torsade émincée de poulet. Je n'ai plus aucun souvenir et j'ai l'impression que c'était il n'y a pas longtemps. Bon, ça ne va pas être transcendantal, mais j'avais dû manger ça un soir devant la télé. Il n'y a pas très longtemps. Gamma, que j'avais acheté à Noz, or je n'ai plus le prix. Voilà, ben, il a fait son job de truc, de lessive. Donc, je ne sais pas quand je vais chez Noz, donc au niveau des lessives. Je suis sur la fin d'une lessive que j'ai achetée à Max Plus. Je jette cette paire de lunettes que je ne sais même pas où je les ai eues. Je pense chez mes parents. Voilà, cassées. Cassées! Je ne sais pas pourquoi je les ai mis là pour vous le montrer. Alesto, cacahuètes grillées salées. Qu'est-ce qui m'a foutu là-dedans, celui-là? C'était Lidl, ça. Une bougie mèche de bois qui crépite. Je crois que j'allais faire valdinguer cette putain de bougie. Oh, le système crépitage, ça me gonfle. Voilà, c'est. Ça fait con. Enfin, franchement, j'aime pas. La bougie en elle-même, elle sent là, mais elle sent pas autour. Alors, le crépitage me gonflait. Non, mais ça m'a gonflé. C'était à tel point que quand ça s'est arrêté définitivement, ça m'a réveillée. Parce que moi, je dors avec la bougie. Je sais pas bien, mais je dors à bouger parce que je dors dans le salon. Noodles de chez Action, ben, toujours un classique, hein, de chez Classique. Un café acheté, je crois que c'était aux noces de Langon, petite noce. Popayan ben, finit par les Airbnb, hein, puisqu'ils arrivent. Et j'en ai un qui arrive 15 jours quasiment et il boit du café. Des produits finis. Un feutre. Un deuxième feutre. Et je sais même pour la enfin, le rase, j'ai fini le rase. Donc c'était un conjunto, un ensemble. Donc c'est deux Popayan, hein, chaque femme. Voilà, moi je prends du café quand il y en a. Alors ça, j'ai adoré. C'était au magasin. Bon, ben voilà, il a pris Lidl, je suis en magasin bio. Oh! J'adore. C'était au cèdre. Alors, c'était des fois dans les magasins bio. Dans le magasin bio où je vais, ils donnent des échantillons de ci, de ça. Et il y avait patchouli cannelle. J'avais pris le cèdre. Hein. Moi, j'avais pris le cèdre. Oh, c'est vraiment les vrais bâtons d'encens, quoi. Ah, je me croyais chez une copine. J'ai une copine, chez elle, ça sent le cèdre, l'encens à base de cèdre. Enfin, une copine. Voilà. Pure air, je crois que c'était chez Action que je l'avais fini. J'en ai un autre, je crois que j'ai acheté chez Lidl. Le Sweetos, 69 centimes chez Noz, ben aussi avec du riz. Je crois que ce coup-là, j'avais fait du poulet mariné. Je crois que j'avais mis des photos sur Insta. Ça sent la rose. Alors, ça sent la rose et le café, mais parce qu'il y a du café dessus. Ça, je vais acheter. Peut-être chez Action. Oui, bon, ben voilà, des bougies. Mais je pense que j'ai envie de faire plus de l'encens. Maintenant, j'ai ressenti mon encens. Voilà. Après, un feutre.
Je vais tout mettre ça à la poubelle après. Et le nez. Ah, mais non. Ah, mais oh, il y a d'autres choses. Oh là là, il y a plein d'autres choses qui ne sont pas de Max Plus des Lidl. Enfin, le chocolat Nesquik du mois. Un truc à moustique et un feutre. Voilà. Comme ça, ça me débarrasse. Et ce que je vais faire, c'est que. Là, ce monsieur va. J'ai un monsieur qui va venir 15 jours. Donc, je pense que. Je ferai, entre guillemets, au fur et à mesure. Et dès qu'il s'en va, je fais. Le jour, je le mets au train. Soit le soir, soit le lendemain, je refais une vidéo. Parce qu'il y aura plein de choses de chez Noz. Il y aura des trucs de chez Action, puisque j'irai chez Action avec mes parents. Ou avant, je ne sais pas, ça dépend. Ça dépend de quelle heure je pars de Anglette pour aller voir ma fille. Voilà, si c'est trop tard, ça dépend. Si j'ai fait beaucoup de rendez-vous, ouais, je partirai tôt. Je partirai à 14h après 9h30, 14h. Voilà, tout dépend. On verra. Wait and see. En tout cas, c'était les produits terminés, hygiène maison, alimentaire, etc. Plein de vidéos, vous voyez, avec le même t-shirt, puisque je fais tout aujourd'hui, là, j'ai du temps, maintenant, j'ai du temps, avant, j'en avais moins. C'est ça, la vie de couple, entre guillemets, et surtout avec quelqu'un qui nous colle à la gueule. Voilà, et fait, tu fais quoi, là? Bon, bref, on s'en fout. En tout cas, je vais jeter tout ça, je vous dis à une quinzaine de jours pour les autres produits finis, terminés, machin, finis, terminés, achevés, tués.